Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Ah, je n'ai pas d'autre... Pouvez-vous nous aider à trouver la source d'énergie qu'on sorte de là ? Apparemment, nous avons une activité en cours. En retrouvant le téléporteur Vex d'origine que l'unité Cade a utilisé, vous pourrez mettre fin à... Ouais, j'allais là-bas, c'est ça ? Je peux vous guider, c'est à 40 000 km. Donc, nous trouvons ce téléporteur Vex... Ah non, d'accord, j'ai une activité. Plutôt facile. Est-ce que j'aurai le temps pour une activité ? Non. Ellipse du coup pour moi, enfin ellipse pour rien du tout, pour moi oui, pour vous non. Voilà, salut les gens. Finalement, je vais continuer. C'est pas grave. Tant pis, je chante ma chance. Blah ! Je suis un fou. Mais il faut vraiment que j'avance dans le jeu, en fait. Ça, le truc, c'est... Il faut que j'avance un maximum. Véritablement. Hop, les. Titan humain niveau 8, c'est parti. Ce qui est peut-être assez ridicule. Mais bon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Bref. au passage, j'ai vu que je suis passé niveau 8. Je dois donc avoir potentiellement un point d'amélioration à mettre dans un grade niveau 8. Je pense qu'on va enfin pouvoir débloquer une des deux spécialisations. En tout cas, je l'espère. D'ailleurs, je peux tout simplement... personnage... Oui, c'est bien sûr, je suis con. Ici, hop, voilà. Et là, je peux prendre donc frappe défensive, tuer un ennemi avec cette attaque de mêlée pour créer un surbouclier de vous et des alliés proches. D'accord. Coup de bouclier, après avoir sprinté pendant un court instant, cette attaque de mêlée qui donne un puissant coup de bouclier qui désoriente l'ennemi. Alors là, on a du tank. Là, on a après avoir sprinté. Bah, je partirais bien. Alors, là, on a quoi? Rempart d'aurore. Lorsque l'énergie de votre super est remplie, vous créez un dôme indestructible, d'accord? Le surbouclier de votre frappe défensive dure plus longtemps et augmente les dégâts de mêlée et la vitesse de rechargement. Ça peut être très très cool. Ça peut être très très cool aussi. Second bouclier, oui, d'accord. Ah oui, donc non, on va partir sur celui du bas. Hop, on part sur celui du bas. C'est pas grave. Niveau 9, niveau 12, niveau 10. Ok, vendu. Je viens de voir que j'ai une arme. Ou non, pardon, un brassard. Je vais garder le mien pour le moment. Que vous nous avez indiqué. Kay est bloqué voilà. Dans un portail Vex. Hop, c'est parti. Vous nous aider à trouver la source d'énergie qu'on sorte de là? Bien sûr. En retrouvant le téléporteur Vex d'origine que l'unité Kay a utilisé, vous pourrez mettre fin à cette boucle et le libérer. Je peux vous guider jusque là. Cool. Parfait. Donc, nous trouvons ce téléporteur Vex et nous le débranchons. Plutôt facile. Par là, du coup. C'est parti. Allons-y, on se dépêche. En fait, c'est plus ou moins... C'est la zone, c'est Nessos, c'est la zone qu'on a fait pendant la bêta. En termes d'aventure. Donc je suis assez content de la retrouver, à vrai dire. Mais... est-ce que c'est vraiment par là? Apparemment, oui. Ok, d'accord, alors. C'est parti. Allons-y. Alors ça, j'imagine que ça indique... Voilà, ça indique que je peux faire ça. C'est quoi ce truc? On appelle cela du radiolaire, vous savez, du fluide cérébral Vex. D'accord. C'est organique. Les Vex ne seront pas tout à fait des robots. C'est organique ta mère, non, elle est passée toute seule, non, elle est pas passée du tout. Tant pis, j'aurais essayé. Hop là, on est bon. On est même très bon. Ennemi. Manque de puissance. What? Alors?
bon. Changement d'armement. On va revenir à une puissance un peu plus... Cadence 11, c'est tout ce que j'ai. What? Fusil un peu... Bon, c'est pas grave. Hop, raté. Hop, les bouffe. Ok. Et de deux, apparemment ils sont pas si solides que ça finalement. Ok, on s'en sort plutôt bien. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Cade à venir sur Nessos? Le loot. Premièrement, pourriez-vous arrêter de nous écouter? Deuxièmement, quelle est la réponse? Il m'a demandé de ne le dire à personne. Ah putain. Oh, réapparition limitée, cristal. Ok, cool. Forteresse de solitude un petit peu sur les bords, non? Attention, je détecte une menace Vex. Il bloque l'accès au téléporteur de l'unité Cade. Vous allez devoir les éliminer. Ah bah oui. Ah oui, je confirme, ouais. Ouais, je confirme, ouais, ils vont devoir m'éliminer, ouais, effectivement. Ah non, c'était dans la... Ah merde. Mais en fait, j'ai trop tendance à rusher. Faut que j'évite le rush. C'est con, hein, mais... C'est stupide de rusher à ce point-là. Exemple. Je me cale là. Attention, je détecte une menace Vex. Il bloque l'accès au téléporteur de l'unité Cade. Vous allez devoir les éliminer. Oh, vache. C'est quoi? C'est quoi qui m'a tué? Un fanatique? Alors attendez. Est-ce qu'un fanatique ce serait pas un kamikaze? Bon. On y retourne. Je commence à douter de mes choix. Attention, je détecte une menace Vex. Il bloque l'accès au téléporteur de l'unité Cade. Vous allez devoir les éliminer. Non, fanatique, c'est ça apparemment. D'accord, donc ils explosent bel et bien. Ils explosent bel et bien. Autant pour moi. Ah, par contre, ça c'est pas. Vous savez quoi? Fuck it! Oh la vache! C'est quoi cet endroit? Je suis censé faire comment? Je suis censé faire comment? C'est fou. C'est fou, c'est fou. Et là, du coup, j'ai pas du tout mon truc. Attention, cool. Je détecte une menace Vex. Il bloque l'accès au téléporteur de l'unité Cade. Vous allez devoir les éliminer. Oui, bah t'es rigolote, toi. J'ai même que tu as beaucoup d'humour. Voire même énormément d'humour. Bon, apparemment ils se pètent entre eux, ce qui est une bonne chose. J'aime bien quand ils se baissent les mecs.
Ça, ça t'apprendra, ça, hein. Ça, celle-là, tu l'as senti passer, hein, n'est-ce pas? Boum. Encore? Oh bah finalement j'ai trouvé le spot hein. What? Ah ah ah. Mais bien sûr. Allez-y, contournez-moi, y'a pas de soucis, je vous en voudrais pas. Et voilà, le spot que j'avais, qui est inutilisable maintenant. Allez, vas-y, viens me voir. Non, tu veux pas? Viens, te dis-je. Ok. On va se bouger, apparemment il n'y a plus de kamikaze. Autant pour moi. Ok, boum. Toujours aussi mal, hein. Ça me saoule qu'ils se téléportent comme ça, eux. Eh ouais, c'est con hein. Ça fout mal hein. Planque-toi derrière ton pote, t'as raison. Voilà. C'est bon? Je pensais que votre destruction massive de Vex me ferait oublier la perte de mon capitaine et de l'équipage. Eh bah dis donc, tendu du slip hein. Non, pas vraiment. Tendu du slip hein. En fait si je m'étais pas mis là-bas, je serais complètement mort. Faut le dire hein. Là pour le coup c'était la planque à utiliser. En tout cas en solo j'ai envie de dire. C'est le téléporteur Vex? Oui, c'est ça que le Kaitis recherche. Vous devriez le récupérer. Oui, c'est fait. Prends ça, tas de ferraille. Ah. Je suis libre. Ouais. Wouhou. C'est la fête du slip. Hey, vous avez réussi. Vous m'avez libéré. Ah, où est-ce que je suis? Unité Cade, vous vous trouvez actuellement près du reste du cœur du réacteur. Bienvenue dans l'exode noir. Là où tous vos rêves deviennent réalité. J'adore cette espèce de... Bah, de... C'est pas une espèce de schizophrénie, c'est de la schizophrénie. Il y a quelqu'un qui m'a parlé apparemment. On dirait que vous avez rencontré mes nouvelles amies, Felsafe et sa jumelle diabolique, voilà. Felsafe. Laquelle des deux est diabolique? Si j'avais eu des sentiments, ça aurait pu me blesser. Pauvre Onto, on n'arrive pas à se caler pour jouer ensemble. Il a vraiment pas de bol. Appelé. On est bon. On est sorti. Cool. Vivement le endgame pour avoir le véhicule par contre. Ça va être une nécessité. Parce que là courir et je cours. Je me raccroche à la vie. Vex dans tous leurs états. Et par cela je veux dire rage meurtrière. Ah merde. Je vais me planquer dans l'exode noir. Vas-y, planque-toi, y'a pas de soucis. Ma coque est en 108 morceaux. Les ponts 1 à 20 sont ensevelis. Et mon système de refroidissement. Je suis une épave. Oui, nous sommes au courant, Felsafe. Nous sommes au courant. Et comment il lui cause? Intrus détecté. Quoi? Hey, c'est moi! C'est moi, l'unité Cade. C'est faux. Enfin, c'est vrai. Mais vous attirez un nombre important de déchus sur ma position. Vous êtes une cible. Vous allez mourir. Felsafe, il me tire dessus.
Je vous recommande d'éviter les tirs. Ce foutage de gueule. Non, y'a rien là-bas. Grande lumière! Ah, là-bas y'a des ennemis par contre. Ce ne serait pas trop demandé que les déchus et les vex s'entretuent une bonne fois pour toutes. Mais où serait le plaisir dans ce cas? Ça, c'est vraiment un très gros vex. Ouh, bonjour! Tu l'as senti passer celui-là? Hop! Pouf! Littéralement. Tu peux me regarder, s'il te plaît? Ah! Non, ça va, je l'intéresse pas. Hop, je suis au bon endroit, apparemment. Ah oui, car... Carrément? Tu t'es... Bah, tu sais, c'est pas comme si ça me dérangeait, hein. Un fusil longue portée, tu sais. Hop, en plus je suis en position de sniper, donc c'est la folie pure. Je m'éclate. Là, c'est. Je déchaîne mes munitions, d'ailleurs, qui tombent à vue d'œil au passage. Hein. Faut être honnête aussi à ce sujet-là. Hein. Et oui, je te fais très très mal. Limite, mon sniper ne te ferait pas autant de dégâts. Bon, il en ferait plus, hein, mais. Faut-il que j'ai autant de balles, quoi. Tu souffres? Tu te demandes si tu vas survivre? Ouais, moi aussi. Par contre, plus tu en vas loin, plus tu fais chier, en fait, en termes de viser. Hein. Faut dire ce qui est aussi. Hein. Boum. Ok. Merci d'être venu. Pas de munitions. Hop. Bonjour. Au revoir. Crac. Munitions. Sniper. Tout ça. Non. Je vais me faire foutre. Ok. Ok. Je vais me faire foutre. Non mais j'ai pas compris. Vous m'aimez pas. Il va me falloir comme arme. Oh, j'ai vu que j'avais chopé une arme 91. Voilà, c'est ça qui est bon. Tu veux bien mettre, voilà. Voilà. Bonjour les rebuts. Là. Allez. Oh, bonheur. Ouh, chant de la forteresse. Qui me tire dessus? Boum. J'ai senti passer, hein. Celle-là aussi. Et celle-là, alors. Oh, bonjour. J'avais pas vu que tu osais me tirer dessus. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est pas le seul. Si comme ça, dans un champ de bataille, peut paraître étrange, la façon dont je dis, etc, etc. Mais... J'ai aidé nos copains un petit peu, enfin nos copains, c'était relatif.
épisode qui s'éternise. 20 minutes et quelques. Ah. Mais. Mais non, mais te tourne pas vers moi. Je t'aide, mou du gland. Ok. Tu me refais plus jamais ça, par contre. Ça, c'est craqué. Hein. On est d'accord à ce sujet. On regardera pas, hein. Oh, bonjour! Bon, on y va, on bourre. Allez! Mode chasseur activé. Ça fait mal? Ouais, je sais. Bon, par contre, je m'attendais à beaucoup mieux. Nous arrivons. Tant mieux parce que les déchus viennent de nous trouver. Comment ça? Activation du bouclier défensif. Le Kate 6 doit reculer. Ok, bon bah cool, elle l'aide finalement. Hey, bien joué, Felsafe. Les déchus ne peuvent plus nous atteindre désormais. N'est-ce pas? Ils ne peuvent plus. T'as l'air vachement sûr de toi. T'as l'air vachement sûr de toi quand tu dis ça. Hey, vous feriez mieux de vous dépêcher. Si je comprends bien ce qu'ils viennent de dire, ils comptent arracher la corne de mon visage. Ma si jolie corne. Ta si jolie corne. Bah écoute, j'arrive, je fais ce que je peux, hein. Intrus détecté. Non, c'est moi. Oh, c'est nous. Me tire pas dessus. Je peux t'aider si t'es sage. Mais s'il te plaît, ne me tire pas dessus. What? Ok, bon. Tu devrais apprécier ce genre de choses. Lance-grenade. Ouf. Ce que je t'ai mis. Par contre, il est où votre capitaine? Wow, qu'est-ce qui m'arrive? What the? Bonjour. Je veux bien aller voir là-dedans, s'il te plaît. A court-circuité quand il a essayé d'interagir avec le réseau de l'Exo-Noir. Puis, il s'est traîné jusqu'ici pour s'éteindre. Je dirais que Felsafe n'a pas été tendre. Meurs! Oh putain! Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Mais bon, si je peux réduire le nombre d'ennemis. Ok. Régène, Marcus, régène. C'est bon. C'est tendu du slip. Allez, ton bouclier, toi. Faut que je pense que, à mon avis, tirer dans la bulle n'est pas une bonne chose en soi. Quoi? Mais non, j'étais sur le point de te tirer dessus au snipe. J'étais sur le point de te faire tellement de dégâts que t'allais pleurer ta maman. T'es où? Ah putain, il s'enfuit. Cette blague. Cette blague. Ok. Oh, c'est échec. Ok, j'avais pas vu que vous étiez si efficace. Wouhou. Merci pour le sauvetage.
Merci pour le sauvetage. C'est en me projetant qui m'a sauvé, hein. Faut être honnête. Solide. Bien joué. Bien joué sa grenade, ça son oui son enfin sa patate. Oh merde ce que je fais là hein. Ses potes qui m'attaquent. C'est eux en fait les plus dangereux presque, si je puis dire. Ça aussi ça doit être examinable. Hop, vas-y, fais péter. J'espère que c'est bon. Les déchus ont installé ce terminal pour tenter d'accéder à distance au système de sécurité de l'Exode Noir. J'aurais pu leur dire que ça n'allait pas marcher. Je parie que Felsay s'est bien amusé avec eux. Ok, si tu veux, vas-y, vas-y, continue. Hop, allez bien, papa. Vas-y, merci. Ah merde, je croyais que je pouvais m'envoler un peu plus loin. Hop. Et... tu sais quoi, vu que t'es si proche, tu devrais pas apprécier mon gun. T'es con, hein. Là, t'es complètement guaqué, là. Hein. Tu es. D'accord. Bon, de là, tu me touches, normalement. Couché. Voilà, sale bête. Ramasser le quoi? Hey, ce déchu a laissé tomber quelque chose. Je prends. Hop là. Hop là, on s'enfuit. J'ai combien de balles là-dedans? 41, mais c'est de la folie! Boum, c'est à prendre. Ok. Ça se fait tout seul. Je mets à jour la liste de l'équipage. Merci. C'est sympa. What? Pauvre Cade. Pauvre Cade, ça c'est propre. Ah, cette blague. Hé, hey, baisse-toi, baisse-toi. C'est moi. Salut. C'est donc vrai. La lumière vous a retrouvé. Eh ouais, t'as vu ça? Le talent. Je sais pas que je sois jaloux, mais... n'en faites pas trop, vous me faites passer pour un débutant. Je t'en prie. Tu pourras téléporter avec ça. Ce que vous pouvez faire avec un téléporteur Vex. Je vais m'approcher de Cole, lui mettre une balle dans la tête, et puis peut-être manger un sandwich. T'as raison. Il me reste juste quelques petits réglages à faire. Le truc marrant avec la technologie Vex, c'est que c'est plus compliqué qu'on ne croit. Il va taper et dessus. Vous n'y arriverez jamais tout seul. Ah, ah ouais, on parie. Imaginons que vous réussissiez à éliminer Cole. La Légion Rouge ne laissera rien derrière elle quand elle partira. Qu'elle soit victorieuse ou non. Les cabales sont des gros méchants qui font des trucs de méchants, ça va, je sais. Non, je crois que vous n'avez pas bien saisi. Les cabales ne laissent jamais rien derrière eux. Aïe. Ils possèdent une arme qui peut détruire les étoiles. Et elle est dirigée droit sur notre soleil. Wow, on se calme. Vous allez péter un fusible. Mais non, tout va bien. Ça va, un plan.
Il a besoin de vous, Cade. Ouais, Zavala dit toujours qu'il a un plan, mais parfois c'est juste pour... Attendez. Zavala a dit qu'il avait besoin de moi ? Ouais. Vous avez vraiment entendu ces mots sortir de la bouche de Zavala ? Eh ouais. Oui, je confirme. Oh, dites-moi que vous avez enregistré ça. Oui, c'est sur YouTube. Moi qui Coral a entendu. À vrai dire, Zavala ne l'a jamais retrouvée après la chute de la cité. Nous ne savons pas où elle se trouve. Ouais, ça fait chier, hein. Sur Io. C'est là qu'elle a dû se rendre pour chercher des réponses. Oh. La planète des Arcanistes. Et merci. Je vous en dois une. Oh. Oui, je connais un minimum, il me semble, Laurent. Un minimum. Il y a des trucs qui me restent en mémoire, on va dire. Hop. Oh, pauvre Onto. Moi, j'ai des secrets pour vous. Incroyable. Du coup, les amis, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Bonjour. Et yo. L'ami de Cade. Je c'est quoi ça Felsafe. Attendez. Ravie de vous rencontrer en personne. Je t'en prie. Je sais que vous allez sur Yo. Si vous revenez, je serai ravie de vous aider dans vos recherches sur les Vex. Nous pourrions voler leurs affaires. C'était une blague. Voler, c'est mal. C'est mal, en général. Mais les Vex, ce sont des monstres robots. La moralité, par défaut, n'est pas prise en compte. Ce n'est pas un meurtre s'il s'agit de robots. N'hésitez pas à revenir me voir. Ceux que j'ai connus sont morts et devenus poussière. Je me sens plutôt seule. D'accord, pas de soucis. Felsafe, l'intelligence artificielle de l'Exode Noir, est disposée à nous aider à combattre contre les Vex sur Nessos. Mais maintenant que Cathy s'est tirée d'affaire, l'heure est venue de chercher Ikora Rey, pardon. Ok. Aidez-la à découvrir ce qu'elle cherche en terminant la mission sacrilège sur Io, la lune Jovienne. On accepte. Là, vous voyez qu'elle nous fournit des récompenses et des équipements qui ne nous intéresseront pas pour le moment. On a tout ça. Hop, ok. Nouvelle aventure, nouvelle mission, coffre de la région disponible. Ok, donc les amis, on se laisse là pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et je vous connais à pied, je vous montre le clan si vous souhaitez le rejoindre. Vous voyez, Rontopo est en ligne, donc vous pouvez le rejoindre si vous le souhaitez. Voilà. Salut les gens.